Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je vous retrouve ce soir pour une recette de bombe de bain. Donc j'ai commencé puisque le micro n'était pas allumé, désolé. Je viens de peser donc dans deux récipients séparés en bicarbonate et là j'ajoute mon SLSA. Donc pensez bien à protéger vos voies respiratoires si jamais vous avez des difficultés déjà présentes. Moi je sais que le SLSA ne me pose pas de problème. Par contre j'en ai avec l'acide citrique. Et donc là je mets un masque. Ok, à cela, je vais venir ajouter la crème de tartre. Ok, donc je vais ajouter l'huile de pépins de raisin. Au début j'étais partie sur l'huile de courge étant donné qu'on est sur une bombe de bain d'Halloween, mais l'huile de courge elle est brune, donc si on l'ajoute on se retrouve dans la capacité de colorer. Je vais mettre le polysorbate. La fragrance, il me faut une pipette donc que je vais séparer en deux. Alors pour la fragrance, j'ai choisi framboise noire vanillée qui est une pure tuerie. L'orange ce sera Nature Soap, je ne sais pas comment ils disent, et le violet ce sera le prune de chez Aromatizy. Thank you.
Voilà. Alors, je me retrouve donc avec une boule de bain violette et orange. Comme ça. Et une avec un dessus violet, un dessous orange et des lignes violettes au milieu. Plus un petit reliquat de orange que je viens de casser comme une idiote. Et un petit reliquat de violet. Donc je vais vite les mettre au sec et je reviens pour préparer autre chose. J'espère que cette recette vous aura plu. Que ce trio d'Halloween, d'ailleurs c'est pas un trio puisqu'il y a la bougie en plus, donc cet assortiment de recettes d'Halloween vous auront plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Facebook et on se revoit très bientôt pour une nouvelle recette. Au revoir.